Pour bien commencer ces news, nous devons forcément parler des Game with Gold, car avec le mois de mai, une nouvelle fournée de jeux gratuits débarque. Sur Xbox One, nous aurons le droit à Defense Grid 2, un Tower Defense nouvelle génération, et à Costume Quest, un jeu de rôle qui vous fera sortir la nuit d'Halloween pour sauver votre frère jumeau. Heureusement, vous pourrez compter sur les pouvoirs que vous donneront vos costumes. Sur Xbox 360, c'est Grid 2 qui est accessible gratuitement, et à partir du 16 mai, Piggle sera jouable. Voilà de quoi bien débuter le mois de mai. Cette semaine sort au cinéma Captain America Civil War. Évidemment, on ne pouvait pas passer à côté, alors pour l'occasion, trois consoles aux couleurs d'Iron Man sont à gagner. La team Iron Man est en place et si vous souhaitez repartir avec une de ces sublimes consoles, rendez-vous sur Twitter, Facebook et Instagram. De nouveaux jeux rétrocompatibles sont maintenant disponibles et ils sont nombreux. Vous pouvez maintenant jouer sur votre Xbox One à Double Dragon Néon, Ghostbusters Sanctum of Slime, Altered Beast, Comics Zone et enfin l'excellent The Cave par Ron Gilbert, le papa de Monkey Island. Vous n'avez pas encore craqué pour Plants vs Zombies Garden Warfare 2 ? Eh bien sachez que le jeu est gratuit pour tout le monde durant 10 heures. Pour cela, il vous suffit de le télécharger et le jeu complet sera à votre disposition. Après ces 10 heures, vous pourrez décider d'acheter le jeu pour continuer l'aventure ou pas. Une très bonne idée pour ceux qui hésitent encore à prendre les armes face aux hordes de zombies. Gears of War 4 fait le plein d'informations avec notamment de nouvelles images de ses environnements et de certains personnages. L'occasion de se faire une idée plus précise des lieux que l'on pourra découvrir et des ennemis auxquels on devra faire face. L'édition Ultimate s'est également dévoilée et avec cette édition spéciale, vous pourrez jouer au jeu 4 jours avant tout le monde et profiter d'un personnage supplémentaire en multi ainsi que de tous les bénéfices du Season Pass. En attendant, vous avez jusqu'au 1er mai pour vous faire la main sur la bêta ouverte. Hitman profite cette semaine d'un nouvel épisode, celui-ci vous amènera en Italie, plus précisément sur la côte amalfitaine. Avec ce nouvel épisode, c'est une nouvelle partie du scénario qui se dévoile, ainsi que de nouvelles missions, défis, armes et lieux à explorer. Le 20 mai prochain, vous pourrez jouer à Homefront The Revolution. Si vous n'avez pas eu l'occasion de voir le jeu tourner lors de ses phases de bêta, la cinématique d'introduction vous donnera peut-être envie. Et si vous souhaitez en découvrir plus sur l'histoire du jeu, une vidéo de 11 minutes sous forme d'un faux documentaire vous explique comment l'histoire a changé du tout au tout après la guerre de Corée. Cette société qu'il appellera Apex s'apprête à révolutionner le monde. Son premier produit, l'Apex 1, remporte un incroyable succès. En Corée du Nord, les stocks sont épuisés en seulement quelques semaines et ils s'exportent bientôt dans le monde entier. Si vous êtes membre Gold, alors cette semaine a été riche de bons plans. Ainsi, Assassin's Creed Syndicate était à moins 50% sur sa Gold édition, Hitman The Full Experience profite de 10%, Alien Isolation est lui à moins 60%, et beaucoup d'autres offres sont à découvrir sur Xbox.com ou sur le Xbox Live dans la rubrique Bons plans Gold. Toujours plus d'actu et d'infos sur Facebook et Twitter et bien évidemment sur YouTube pour de nouveaux tests avec Clément et Kitis. Bon jeu à tous et à très vite. Yeah.